Wesh les gars, wesh les gens, wesh YouTube, j'espère que vous allez tous tranquillement bien. Alors, je vais parler par rapport vite fait à ce marathon avant de lancer la vidéo. Il y a eu quelques problèmes par rapport aux émulateurs, par rapport à ce marathon. Malheureusement, il y avait certains marathons que. Enfin, certains jeux que je n'ai pas pu faire et certains que je n'ai pas pu. J'avais pas trop envie de les faire, comme Star Fox Command. Je vous affiche à l'écran les jeux que je n'ai pas pu faire et que je n'avais pas envie. Pourquoi alors? Tout simplement parce que déjà, Star Fox Command, on sait très bien, ceux qui me connaissent savent très bien que les jeux stylés, ce n'est pas du tout mon truc et je déteste ça. Et Star Fox Command en fait partie. Je pouvais jouer au jeu, j'avais aucun problème avec la DS, tout ça, mais je n'ai pas pu le faire parce que jouer à ce jeu avec le stylet plus jouer sur la manette, c'était insupportable. C'était jouable, attention, c'était jouable. Mais je n'ai pas pu le faire malheureusement parce que je ne supportais pas le fait que ce soit au stylet pour commencer. Et les deux autres, ce sont Star Fox Guard et Star Fox Zero. Alors les deux sont sur Wii U. Et c'est assez compliqué pour. Enfin, c'est assez compliqué à utiliser les émulateurs des dernières générations, on pourrait dire. La Wii U. Voilà, il y a des jeux qui ne vont pas bugger, mais il y a des jeux qui vont malheureusement bugger. Alors, Star Fox Guard, le jeu se lançait normalement, mais il y avait un chargement infini en bas à droite. Du coup, je n'ai pas pu le faire malheureusement, car je n'ai pas réussi à trouver la solution. Et pour Star Fox Zero, je vais juste expliquer avant. Le jeu se lançait normalement, j'ai pu faire le tuto du début moi-même à la manette. Sauf que le jeu, je le voulais en français et il était en anglais. Du coup, j'ai touché une connerie dans les paramètres et le jeu ne se lançait plus. Du moins, il se lançait, mais il restait au menu principal, au premier affiche, tout ça. Mais je n'arrivais plus à le lancer. Du coup, j'ai dû télécharger un autre émulateur de CEMU, l'émulateur de la Wii U. Et j'ai réussi à le programmer en français. Le jeu démarre, le jeu est en français. Je me suis dit, oui, enfin, je vais pouvoir y jouer. Sauf que non, je n'arrivais pas à appuyer sur le OK quand ça demandait de faire une sauvegarde. J'ai appuyé, ça voulait pas marcher. Du coup, je n'ai pas pu les faire. Et pourtant, Star Fox Zero est une pépite. Je dirais pas une pépite au point que c'est un jeu extraordinaire, mais c'est un très bon jeu, j'ai envie de dire, malheureusement. Mais toutes les rediffusions sont sur ma chaîne secondaire, c'est Style HD, où je présente quand même les jeux pour le marathon, mais pour le best-of, je ne les mettrai pas dans le truc, car c'est juste des gameplays d'un replay qu'il y a sur YouTube. Et j'ai préféré de ne pas les mettre. Sur ce, ben, je vous souhaite bon visionnage, et désolé encore, je n'ai pas tout fait. Et je préfère prévenir encore, hein, un petit warning. Il y aura sur les autres marathons, comme il y a eu sur d'autres marathons, des jeux qui malheureusement, soit les émulateurs vont bugger, soit le fait que ce soit stylé, le jeu ne va pas me plaire, je ne pourrai pas le faire. Donc tout ce qui concerne les best-of, c'est tout ce que j'ai fait à la main. Donc sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et des bisous. Allez, tu vas mourir, je te le dis moi. Ah, je t'ai dit, tu vas mourir, je t'ai dit. Faut m'écouter un peu quand je parle, moi. Il était temps, hein, parce qu'à trois reprises, à un moment donné. Allez, le final. Andros, ça c'est fort de fruits. Je vais te montrer le fruit, moi. Qui c'est le fruit. Bon, j'ai deux bombes. Soit ça devrait aller. J'adore le final quand il s'enfuit à toute vitesse. Dans Star Fox 64, le golem et tout. Oh là là. Ceux qui n'ont pas connu ça, putain. Merde. Ah, faut. Merde, j'allais dire, faut bien ça do savoir doser. C'est ça, je me fais éclater. Allez, Andros. Le monde bande tes yeux. Ah, ok. Ça c'est toi, tu esquives, soit tu te les prends. Hein. Ah ouais, c'est moi.
Vous êtes des étagères. Je crois qu'il faut jeter une bombe à l'intérieur quand il aspire. Ouais, je crois qu'il faut jeter une bombe si je me rappelle bien. On esquive. Uf, uf. Allez, l'autre œil maintenant. Voilà, en fait, ça sert à rien les bombes. Il suffit juste de spammer un peu et c'était bon. Aïe. Allez, le cube. Ah là là là. Montre-moi ton vrai visage, s'il te plaît. Je sais que c'est pas fini. Il me semblait qu'il y avait la tête d'Andross, hein. C'était pas la tête polygonale comme ça, mais je croyais qu'il y avait quelque chose en plus, hein. Je me rappelais plus. Ah non, c'est pas fini. Non? Je me rappelle plus. Il me semblait que non. Bah apparemment si, ok. Eh, ça va, ça fait longtemps, hein. C'est resté dans le délire un peu Star Fox. Ok. Dans tous les jeux, c'est ça. Une fois que tu les prends en main, ça y est. Spam pas nous. Waka waka waka. Waka waka waka. Ah, la tête d'Andross forcément. Il n'est toujours pas là. Forcément. Elle préfère s'enfuir. Allez, à nous deux. Forcément, toujours le même scénario. Hein. Voilà, on n'a pas les bombes par contre. Hein. Voilà, il suffit juste de spam. Hein. Ok. Bon ben voilà, bah c'était rapide. Effectivement, c'était très rapide. Mais ça fait du bien de se faire des jeux un peu comme ça. C'est du bien. Les jeux rétro de base, c'est mon bail à moi, hein. De toute façon. Ah ouais, Fox qui se fait des roues arrière pendant qu'il est poursuivi par une explosion. Ah ouais, il troll le boss en plus.
Mais Falco, il m'a servi à quoi au final? Bah, en soi, j'ai pris Falco normalement. Ah oui, j'ai pris Falco, c'est Fox qui s'est fait crever. Ok. Imagine ça, tu pètes tout le monde, hein. Il n'y a plus Star Fox. Et voilà, Star Fox 2, très court mais déjà fini. Ouais, c'était un bon jeu en soi, ils auraient pu en faire quelque chose de mieux, mais ils l'ont... Vas-y, casse les couilles. Il lui manquait rien en vie aussi. Ça casse les couilles. Vas-y, tu fais trop le fou, Andross. Je vais te crever. Ton œil là. Tiens. Mange le œil. Allez, retourne-toi maintenant. On va régler ça. Merde. Ah, ça donne rien aussi en pourcentage de vie, le bordel qu'il me donne. Hein. Ouais, casse-toi. Ça c'est n'importe quoi. Des trucs téléguidés, c'est ça, c'est tête chercheuse, c'est n'importe quoi, vraiment. C'est n'importe quoi. Ça te fonce obligatoirement dessus, tu peux pas les éviter, c'est n'importe quoi. Je fais tout, gros. Roulade, esquive, je fais tout, j'arrive pas à les esquiver. Que je ralentis ou que j'accélère, ça change rien du tout. Ça me touche quand même. Ah, c'est n'importe quoi là. Il donne très peu de vie, c'est... Laisse tomber. Du coup, il sert même pas à rien, hein, par contre. Et je peux le faire. Il donne pas d'assez de barre de vie là. Il faut vraiment aller dans les airs en haut en bas, putain, pour éviter le bordel là. Eh merde. Et surtout. J'ai mis cher, hein. J'ai mis cher. J'ai mis ta whiff. Alco, la bombe. Putain, il me l'envoie pas. Bordel. Merci.
Porte quoi toi? Quoi? J'entends rien gros, t'es trop loin ton micro. Si, si, ça me fait des dégâts. Ah, je dois vraiment éviter comme ça. Wow, vous abusez. Bah, j'ai réussi à les éviter. Bon, il est mort. Hein, avec la dernière bombe, normalement, il meurt. Hein. Allez, tiens, enculé. Allez, bim! Mange ta mère! Bravo pour ce succès. Je terminais, c'était cool. Ouais, très cool. Merci. Il explosait comme une planète. Comme une merde, ouais. Bon, après, c'est le dinosaure qui m'a plus fait suer que Andross, en vrai. GG, merci, Meme. De quoi? Celui dans la caverne avec la lame. Attends, c'est pourquoi je t'entends doucement comme ça? Je sais pas. Ton Discord il est à fond pourtant. J'ai dit celui dans la caverne avec la lave. Non non, l'oiseau. Où il faut détruire les 4 tours là. Ah oui, ok. C'est les couilles celui-là. Quel dinosaure? L'oiseau où il faut détruire les 4 tours. Laisse tomber, la maniabilité elle est affreuse. Le dinosaure, à chaque fois, il bouge. C'est l'enfer. Vous avez pas le droit. En plus, c'est votre recommencer, bande de chacals. Putain. C'est bon, j'ai compris comment la battre, de toute façon. Elle parle beaucoup, hein. Parle beaucoup hein. Aïe. Putain mais c'est ça vise au pif. Moi je t'en merde. Est-ce que c'est possible en un passage? Non. En vrai, c'est possible en un passage en se spammant bien. Ok, de deux. La petite villa. Bon, mais ça sert à rien, je suis à fond. Même pas besoin de la bombe. Allez, on ne pas gueule. J'ai pas besoin de ta bombe. Crève. Voilà, attends. Non, attends. J'ai toute ma vie, ça rigole plus. Et c'est pas ma race. Et encore, j'ai pas les doubles tirs. Hein. T'as de la chatte. T'as de la chatte, sa mère. Elle se prend des doigts, quoi. Je vais se prendre des doigts. Oh, ce que je lui mets en dégâts. Je lui mets tellement cher. Le cri qu'elle pousse. Ah, ça me tue. Va crever, moi, je te le dis. Mange. Ça dégage. Ça dégage de là. Allez, hop. Je veux plus te revoir. Eh oui, eh oui.
Alright. S'enfuir maintenant. Hey team. Destruction is spreading across the entire planet. So, I guess that's the end of the Aperoids. So the whole thing was just one big entity. She tried to bypass evolution by stealing souls, but you have to be born with one. All ships, evacuate at maximum velocity. Let's go. Ouais, j'ai fini le jeu, sérieux? Mais non. Falco Lombardi. Pepi. Sleepy. Crystal, forcément. Ouais, j'ai fini le jeu. En vrai, il est pas long comparé à Star Fox Adventure. Il est vraiment pas long.